Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode des Raisons du Cœur. Je suis aujourd'hui avec Frère Cyril. Frère Cyril, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de chœur et liturgiste. Est-ce que vous pouviez nous expliquer les enjeux liturgiques de ce nouvel aménagement ? Pour bien comprendre, je crois que je dois d'abord dire que j'aimais beaucoup l'ancien autel dessiné par Père Alain dans les années 50. Mais qui était d'une modernité étonnante, qui concentrait toute l'attention, mais qui aussi, non seulement coupait la liturgie entre le clergé d'un côté et l'assemblée des fidèles de l'autre, mais monopolisait les autres lieux de manifestation du Christ, c'est-à-dire le lieu de la présidence et le lieu de la parole, l'ambon. Donc on espère par ce nouveau dispositif rétablir un lieu de parole d'où la parole s'adresse à une seule assemblée, les frères et les gens qui participent à nos liturgies, une présidence qui aussi s'adresse, préside pour tous et qui s'adresse à tous, tout en gardant la centralité de l'autel. Notamment pour les offices liturgiques, la participation jadis était uniquement sur les vêpres du dimanche, et désormais les gens participent à nos offices, à la liturgie des heures, plus régulièrement, et donc on peut retrouver une seule assemblée priante qui chante d'un seul cœur son Seigneur. Je vous remercie pour ces éclairages. À la prochaine fois.